tous quand même. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le fameux terrain de Moissac. Sur ce fameux terrain où on a une revanche à prendre, puisque la fois précédente, on n'a pas pu rouler à cause du temps, hein, il s'était mis à pleuvoir. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente du roulage à mirepoix, j'avais intégré la petite partie de Moissac. Ce matin, on a fait nos petits tours, on a eu le droit à chute d'Anthony. Il est allé nous couper le grillage de séparation, il est sorti tellement c'était gras à la réception. Donc on espère que ce petit soleil qui sort petit à petit, qui se fait timide parce qu'il fait froid, qu'il nous sèche une bonne partie du terrain, qu'on puisse avoir une pâte à modeler, une texture qui accroche bien. On a bien sûr aujourd'hui notre cher Christophe, on a réparé le câble ce matin, donc il roule avec nous. C'est sa première fois à Moissac. On a GG aussi, qui vient aussi pour sa première fois à Moissac. Un petit 250 KTM SXF. Et comme d'habitude, Anthony et Christopher. Et moi, bah oui, il n'y aurait pas de bandage sans moi. Oh, le gars, il n'est pas prétentieux. Donc on a fini notre pause repas, puisque c'était la pause repas. Alors on va chauffer les motos et on va s'y relancer. À toutes. Et si j'allais oublier, joyeux Noël à tous quand même. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ce qui vous a ramené le Père Noël, si vous a gâté. Et on s'envoie de suite faire un petit tour avec Christopher. Ah, je stresse, hein. Après ce petit tour embarqué de Christopher, je vous envoie cette fois-ci faire un tour avec Christophe. Yeah.
Donc c'est parti, je prends la GoPro. Je vais y aller tranquille parce que dernier tour, quand Christophe avait la GoPro, je me suis envoyé le saut monté, sauf que je ne voyais plus rien parce qu'on a le soleil en pleine gueule. Donc c'est écran noir. J'ai malheureusement, je pense, braqué mon guidon sans... Je sais pas ce que j'ai branlé, bref. Je suis tombé, je me suis ramassé. Tout va bien pour moi, tranquille, donc on y va, on va se remettre en selle et on se reprend le rythme tout doucement. Nickel, merci. Ouais.
vite. Ah, merci. Bon. Ouais. Bien ou bien? Ah, bien. Je m'arrêtais plus. Ça va, Jo? La réception ou rien? T'inquiète. Je t'ai vu, hein? S'il a failli se tuer, les gars, on se retrouve deux jours après, le temps pour nous de nous remettre de nos courbatures, parce qu'il faut dire que les terrains gras, ça fait énormément travailler. Si t'es encore là en train de regarder cette vidéo, je tiens à te remercier. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, tout en n'oubliant pas d'activer la petite clochette pour ne pas manquer la suite des vidéos. Pour faire un petit bilan rapide de cette journée, et peut-être élire notre meilleur crossman de la journée, j'ai donc pensé à Christopher qui a fait une grosse évolution sur cette journée-là. Il n'a pas hésité à mettre un peu plus de gaz dans son 125. Même si vous avez pu le voir au début de la vidéo, c'était quand même son deuxième tour. Il y est allé quand même mollo, il faut le dire. Mais sur la journée lycée, je peux vous dire qu'il a motivé les troupes, il était présent et il en avait envie. On a ensuite Christophe qui n'est malheureusement pas en pleine santé et qui n'a donc pas pu se régaler à 100%, mais il était présent, il a roulé et il s'est fait plaisir. On avait une nouvelle tête, Jérôme, qui était avec nous avec son KTM 250 SXF, qui, faut le dire, était très capricieuse. Je ne l'ai pas vu beaucoup rouler. Et l'homme de la journée, le crossman de la journée, avec une grande certitude, c'est Anthony. Anthony qui nous a fait une belle chute, Anthony qui a coupé le grillage, arraché le tuyau d'arrosage, plié des poteaux, cassé ses lunettes, mais qui, par ses exploits, autant par ses sauts que dans sa rapidité d'exécution, donc un grand bravo à lui, c'est lui le crossman de la journée de Moissac. Je dirais que c'est un peu facile, c'est quand même son motoclub, il a roulé assez souvent sur ce terrain. Il y a peut-être un petit avantage pour lui sur cette journée-là. Hein. Donc on va passer les fêtes tout tranquillement. Je vous souhaite un joyeux Noël. À bientôt la team.